il y a un vieux tour de triche. Les tricheurs, ils avaient trois gobelets, une balle. On bougeait très vite les gobelets, il fallait trouver où était la balle. Ok, là, c'est un peu facile. Tu crois qu'elle est là? Le problème, c'est que les tricheurs, ils peuvent faire ça. Non, elle n'est pas là. En fait, les tricheurs, ils peuvent la coincer avec les doigts et faire semblant qu'elle n'est pas là. Comme ça, tu perds ton argent. Tu vois? On va jouer à un jeu. Il va falloir suivre la balle. Dire si la balle est dans le gobelet, on l'entend, ou est-ce qu'elle est dans la main ou dans le gobelet. D'accord? Faudra deviner. Le problème, c'est que les tricheurs, vous savez comment ils font? Ils disent, on prend la balle dans la main, alors qu'en réalité, elle est sur le gobelet. Et si on dit, on la met sur le gobelet, en réalité, elle est dans la main. Et du coup, faut pas se laisser avoir. Ok? Donc, t'inquiète pas que c'est vos yeux comme ça, hein, t'inquiète pas. Alors regarde, il va falloir deviner. D'après toi, regarde, on entend? Oui. Ok, d'après toi, est-ce qu'elle est restée sous le gobelet ou est-ce que je la glisse dans la banane? C'est dur, hein? Dans le gobelet, toi aussi? Elle était dans la banane. J'avais démarré super facile pour vous. Ah, t'avais dit la banane, mais t'avais raison. Alors, un point pour toi, zéro pour toi. 1-0. On va faire un truc, regarde. Plus facile. On met la balle dans le gobelet. On l'entend? Oui. Ok. Plus facile. Main ou gobelet? Toi, tu dirais quoi? Main. Et toi, tu dirais? Main aussi? Elle n'est pas dans la main. Elle n'est pas dans le gobelet. Souvent, personne pense à dire la banane. La réalité, c'est que la balle peut passer à travers le gobelet. Du coup, je peux la récupérer facilement. Bah, c'est pas compliqué, tu prends une balle, un gobelet. D'accord? Tu prends la balle, tu la jettes et elle revient sous le gobelet. Tu sais comment ça fonctionne? Tu prends la balle, je te la donne si tu veux. Hop, elle est déjà revenue sous le gobelet. Tu sais comment ça marche? Non. Non? Alors je vais t'expliquer comment ça marche. Les tricheurs, des fois, ils prennent une balle. Ils disent, je prends la balle, je la mets ici, alors qu'en réalité, elle est là. Mais non, elle est pas là, parce qu'elle est dans la banane. Alors que. Ah non, elle est là. Ok, bon. Peut-être. Et non, il n'y a pas de double fond. Par contre, des fois, il y en a qui disent, les tricheurs ont plusieurs balles. Comme ça, on pourrait tricher. J'ai celle-là, et puis j'ai aussi celle-là. C'est beaucoup plus facile, parce que comme j'ai deux balles, je peux... Ça, c'est la balle de golf. Tu prends la balle de golf, tu la jettes, hop, et elle revient ici. Exactement pareil. Non, c'est bizarre, mais... Non, c'est une vraie, hein. Et si tu la mets ici, elle revient là. Et j'ai même la pomme de terre avec, tu vois. Oh, une pomme de terre! C'est trop pour faire les frites.